Bienvenue à Escale Rochelaise et notre jardin. Alors voilà, il y a leur table pour manger dehors. Les coussins sont déperlants. Souvent, j'aime bien les stocker comme ça parce que ça déperle un petit peu mieux, mais vous faites comme vous voulez. Si jamais vous avez beaucoup de 30 degrés, il y a un arrosoir. Il y a de l'eau juste ici, celui-ci. Pour les plantes qui sont sur le terrasse, nous avons un jardinier qui vient tous les samedis et il s'occupe du jardin. Mais parfois, en semaine, si c'est tous les jours 30 degrés, les plantes sur le terrasse peuvent en souffrir un tout petit peu. Je vous ai fait une vidéo sur le plancher, ou plutôt mon époux. Et ensuite, on a fait une vidéo sur le parasol. Mais voilà, on peut faire un petit tour du jardin si vous voulez. C'est mon petit bijou à moi. J'adore jardiner. Et l'albizia en ce moment est en train de perdre tous ses petites fleurs. Mettez-la toi. Ça, c'est un chat qui n'est pas à nous. Je répète, son nom est Not Our Cat. Pour mon époux, il s'appelle Sacapus. Mais comme vous voyez, il se sent vraiment à l'aise chez nous. Et il est vraiment... C'est vrai, il est superbe. En tout cas, je vous ai fait un tout vidéo sur lui aussi. Voilà un petit endroit où il y a le soleil le matin. Vous direz peut-être que c'est sauvage là et pas entretenu. Mais non, j'ai essayé cette année de semer pour les papillons. Je ne peux pas dire que je vois plus de papillons que les autres années. Et ce n'est pas très joli. Mais bon, j'essaie de faire tout en ayant un jardinier assez soigné, d'avoir un endroit pour les papillons. Et petit hamac, mais avec l'albizia, on est bien à l'ombre. Alors nous, on fait comme ça. Hop, voilà. Oh, tout beau, hop. Alors là, c'est un abricotier. Si vous êtes là et il est en train de perdre ses fruits, s'il vous plaît, mangez. Nous, on n'est pas là. Et ensuite, il y a un pommier qui, il est pas... Ah, je vois un pomme là. Mais celui-ci a l'air d'avoir quelques-uns de plus cette année, un petit peu moins de pommes que d'habitude. Alors, derrière, pareil, vous allez dire que c'est le jungle, mais c'est encore une fois, c'était un peu exprès. Là, c'est des prairies pour soleil, mais ça fait plus enfouillis qu'autre chose. Mais bon, je ne sais pas si je le referai l'année prochaine. Et voilà, un petit tour. Maintenant, une petit nouveau gadget de cette année est justement ce petit robot. Il passe tous les matins entre 4h et 7h30. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Il rentre, il fait son truc. Et parce que ce n'est pas prévu que le jardinier tonde. Alors, le trampoline. Le zipper a du mal à fermer. Je ne sais pas pourquoi il a dû rétrécir cet hiver. Sinon, il y a 4 à fermer. Parce que une fois là-dedans, c'est pour la sécurité, il faut fermer ces petits trucs. Et de préférence, une adulte pas loin. C'est étonnant comment parfois on peut être en train de sauter et les têtes se cognent ou le genou on a mal ou nous-mêmes on cogne notre menton à notre propre genou. Vous seriez surpris combien de choses peuvent arriver quand nous sommes dans un trampoline. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour du jardin. Il y a des braseros si vous voulez. Seul petit conseil, fermez toutes les fenêtres à l'étage, sinon vous risquez de vous enfumer vous-même. Voilà, alors j'espère que vous passez un superbe séjour parmi, j'allais pas dire parmi nous, mais chez nous, mais j'espère que vous vous sentirez chez vous pendant que vous êtes chez nous. Voilà.